Là, le travail que nous allons faire, c'est binomial expansion. OK? Where n is negative or a fraction. OK? Alors, qui peut dérouler là-dedans? Nous sait comprendre avant que ça veut dire binomial expansion. Un binomial, il y a un polynomial qui n'a deux termes. Par exemple, 2 plus x. Un polynomial qui n'a deux termes. Un autre exemple, c'est 3 retiré 4x squared. OK? Ce qui est important, c'est qu'il y a des termes. Okay? Un polynomial qui a des termes, on appelle ça un binomial. À ce terme, binomial expansion, c'est qu'on peut mettre sa binomial expression là, dans le bracket, on peut mettre un power. Ce n'est pas power 3, power 4. Okay? Là, next, à ce terme, on peut expander. Et pour bien connaître comment nous expander, vous pouvez mettre le bracket là 3 fois, là, où expander, soit vous servez binomial théorème 3C0, 3CN, ici 4C0, 4CN, toi les mêmes. Mais nous, quand tu peux faire ça, ben, des voies là, je te disais, observer que tout ben power que nous prenons, c'est ben positive integer. Ok? Pas ben power que tu prends, ben power que nous prenons. Ça ben power que nous prenons là, c'est ben positive integer. 1, 2, 3, 4, non, les mêmes. Ok? Nous pas considérer ben cas que qui arrive si sa power là, qui est la power n là, qui arrive là, il y a un binomial expression, à ce qu'on peut faire une expansion, qui arrive si sa power n là, il est négative ou soit une fraction. Ok, par exemple, si tu n'as pas expandé d plus x power, zone négative 3, qui peut arriver. Ou 2 plus x power half, qui peut arriver. Si vous avez servi sa méthode qui vous a été servi là, ici vous servez pas négative 3, c'est 0, négative 3, c'est n. Ici vous servez half, c'est 0, half, c'est n. Vous pouvez marquer le calculateur si vous n'avez pas de réponse. Parce que quand vous servez sa combination button là, c'est un chiffre ici, c'est un chiffre ici, tous les deux pour vous amener integers. Ok, right? Là où là, il faut vous amener positive integer à partir de 1, de la 2, de la 3. Power là, il n'est pas capable d'être négative number et il n'est pas capable d'être fraction. Sinon, pas pour gagner aucune réponse, je ne peux pas essayer de se calculer. Mais nous, dans HSI, nous pouvons bien dévoir que power là, il est négative ou soit power là, il est fractionnel. Ok, là, comment nous pouvons expandre ça? Right? C'est même objectif, ça, vidéo là. Next, c'est dans la liste formule que vous pouvez gagner la fin d'année. Et que de HSC sur l'examen, de binomial series, ou soit binomial expansion, ça c'est formule que vous gagnez dans l'admat aussi d'une série, ok? Right là, sa formule qui n'a pas servi là, il vient par NC0, NCN, NC2, right là, getting down where n is a positive integer, ok? Là, que power n là, il y a un positive integer, là, nous avons servi une formule pour mon objet expand tout ça, right là? Mais qui est arrivé si power là, lit pas un positive integer, mais là, pour donner une autre formule de l'examen. Allez, observe bien, regarde sa formule là. Nous focus sur sa formule là. Right là, si arrivé sa power n là, il est rationnel. Ok? Ça veut dire power n là, s'il n'est pas positif, pareil comme là-haut, il n'est pas positif, mais il est pour besoin rationnel, il est capable d'être négative number, négative 3. Rationnel veut dire qu'il a fait une fraction, ou soit il est capable de power half. Négative 3 aussi, il y a un rational number, il est capable d'écrire comme négative 3. Un rational veut dire fractionnel, capable de faire une fraction. Veut dire power n là, il y a un rational power, n là, il est rational. Dès que pensez rational là, il soit un négative number, soit un fraction. Ça veut dire qu'il y a un opposite of positive integer. C'est-à-dire s'il n'est pas un positive integer, il y a une fraction ou soit il y a un negative number, là, nous, pour servir sa formule là. OK? Il y a une formule qui dit, toi, ici, dans la formule, je dois écouter moi bien beaucoup de là. Dans la formule, ici, obligé dans n. Ici, obligé dans n plus. Et là, next, ça x là, avec ça n là, ça, c'est une variable. Ça n'a pas de sens, c'est ça. N n'est capable d'être une fraction, n capable half, n'est capable de négative 3, OK, etc. Et x là aussi, pas nécessairement, il y a x ici. Hein. Ici, il y a une généralisée, il y a une x. Ok, il y a une généralisée, il y a une x. Getting to toi qui x là, il y a, voyez ça. X là, il trouve between a range. Modulus of x is less than 1. Modulus of x less than 1 veut dire x qui valait le point. Ben, modulus est égal à tout, car le square pour ça, d'une avant de admax. Left hand side, vous faites modulus ce square, less than n ce square. Modulus x ce square, x square. Less than 1, ça c'est une quadratic inequality, une root critical values. Comme root critical values, vous gagnez négative 1 et n. Et là, à cause de la less, si vous avez tout cœur, less c'est en bas, veut dire x c'est pour in between, négative 1 et n. Ok, c'est une façon pour l'y aller. Ou, il y a une autre façon pour t'expliquer dans AdMax, qui modulus of x less than 1, il veut dire qui ben chiffre sur l'n qui less than 1. Si vous avez un number line, tout ben chiffre c'est qui entre négative 1 et n. Si vous prenez n'importe qui chiffre entre. Il n'y a pas besoin d'inclusive. N'importe qui chiffre qui tourne entre moins 5 et n, disons négative 0.5, right, disons 0.7. Tout ça va être un chiffre là, cette distance depuis l'origine, il est less than 1.
Donc, tu laisses, veut dire len. Veut dire tout ben chiffre, c'est qui entre moins 5 et n. Veut dire, il y a une condition de sa valeur x, comme on dit, x, ça c'est des affaires qui ne qui pas pour se fixer. Pour une valeur n ici, et x, il est capable de pour qui se et qu'il y a une condition, ça x, disons entre moins 5 et n. Mais à cause x, il y a une chose, il y a algebraic, ou soit il y a un unknown, right là, ok, so vous trouvez une variable. Il y a un unknown, x, il y a un unknown. Alors, x, il est capable de pour qui s'appelle, il est capable de dx, il est capable de 3x, l'eau 2. Mais ce qui est important, c'est ça. Ça après plus ça là ça installe pour besoin entre moins 5 et n. Veut dire là si arrivé d'une base de x, veut dire là x ça pour besoin x ça pas 4 parce que si tu fais 2 fois 4 pour 8 là la réponse ça pas pour entre moins 5 et n. Gagne bien comme on peut dire x entre moins 5 et n c'est sa deuxième terme de expansion la deuxième terme de expansion là ce modulus les en 1 ou soit i entre moins 5 et n. OK get là. Fait que maintenant arrivé on peut trouver dx. Mais déjà, ça, x là, ici, c'est une condition, x là, tu vas pouvoir prendre 4, parce que c'est 2 fois 4 pour 8, ou besoin de prendre 5 avec n. Mais x là, c'est divin, disons, n corps. Là, il y a un mot. Parce que 2 fois n corps, il y a un half, là, il y a un point 5 avec n. Mais pas fatigué de la tête là-dedans, parce qu'il y a une expansion là, n plus x power n. Right, là, ça, c'est algebraic, ça. Je ne veux pas pour trouver ce 30 moins 5 avec n. Ok, il y a toujours un unknown value. Ok, mais ça, c'est une condition qui est importante. Mais c'est ça, deuxième terme. Ici, on vise la n, ici, on vise la n, ici, on vise la plus. Avec ça, ici, là, il n'est pas nécessaire la x ici. Là, il peut mettre, comment dire, n, un autre. Il n'est pas mettre comme ça. N plus n blank power n. Là, il dit, ça, blank, qui est là, ici, là, blank, là, il peut vous en moins 5 avec n. Ou soit, ça, blank, là, ce modulus, il laisse en moins. Ok, mais de place, mettre un blank, il met x ici. Ok, mais rappelle pas nécessaire la x ici. Et que ça, c'est sous condition, les besoins pour moi, c'est avec n. Ok? Allez, nous commençons. Right, allez, nous faisons un devoir. Ça, c'est formule que vous prenez dans la formule lâchée. Et next, nous disons n irrational. Ça, ben, n rational, veut dire sa power là, si arrivé pour négative number, soit une fraction ou servie. Et pas bien ou x, ça, ça dégène TM qui est dans le binôme, là, les besoins pour moi, c'est avec n. Alors, une question là, comment était-ce que toi, expand n plus x power négative 2? Vous remarquez, le problème là, c'est la négative 2. Si la négative 2, tu peux servir au binomial expansion, binomial théorème, tu peux le désmailler. Je suis capable de essayer. Right? Nous pouvons expander jusqu'à x power 3. Ok? Nous pouvons simplifier le coefficient avec un deuxième point que nous pouvons dire. Alors, je te suis bien. Formule là, the given formula, vous avez remarqué, formule là que tu y étais. Formule là, c'est comme ça, n plus nx, c'est ce que tu peux trouver là-haut. Fois n, retient n, ça, le d factoriel. X square, getting the top expands jusqu'à x cube. Veut dire, moi, besoin de jusqu'à là. Au fait, c'est l'usage qui continue à aller même, mais c'est moi, dans un examen, je vais jusqu'à x cube. Ok, plus n, n minus 1, n minus 2, l'autre 3 factoriel fois x cube, plus dot dot dot. Ok, ça, c'est deux expansion. Mais tu as faudé dire comme ça, les deux formats à n plus x power n. C'est le n plus x power n, là, expansion avec comme ça. Mais nous, nous, expansion qui était, le n, plus x power négative 2. Ok, ça c'est que nous n'avons pas expand. Alors, nous observons ici là, obligé na n, ici obligé na plus. Ok, top, ici n, ici x. Mais c'est ça qui a changé. Mais nous, l'avantage c'est qu'il gagne x même. Et ici na négative 2. Mais c'est la formule là, ici na x, ici na n. Moi, ici mon gagne x, ici mon gagne négative 2. Et n là, il est la même. Right? Mais c'est de place x, des n à x même. Mais c'est la formule là, il y a x, et moi, de mon expansion, il y a x même. Mais, de place n, de formule là, n, moi qui m'en a, moi n'a négative 2. Veut dire de sa formule ici là, right, pour tout côté n'a x, moi pour laisser x même, pour tout côté n'a n, moi remplacer par négative 2. Allez, nous expand. Veut dire n, plus, ici nous pouvons remplacer n, x, n négative 2, x dirait x même, négative 2x, plus n, n minus 1, veut dire n négative 2, n minus 1, veut dire négative 2, retirer n, sur 2 factoriel, fois x square, x plus x même. Plus nous continuons, next, nous gardons sa troisième terme là, négative 2, négative 2 retiré n, négative 2 retiré 2, l'autre 3 factoriel avec x cube, avec les conditionnalités, nous demandons jusqu'à x cube, nous laissons la même. Si nous simplifions, c'est une n, plus moins, c'est une moins dx, c'est ça comment il était au cas évalué, il au calculateur, c'est ça coefficient là. Si vous évaluez au calculateur, si vous faites un coefficient, négative 2, fois négative 2 retiré n, on va diviser par des factoriel, qui fait de moins 3. C'est-à-dire ici, il fait 3, avec pas bien à x squared. Next, pareil, ça peut être ici, là, on va finir simplifier l'idée au calculatrice. Le numéro est à négative 2, qui peut faire avec négative 2 retiré n, qui peut faire avec négative 2 retiré 2.
Et en bas, on a 3 factoriel qui peut être négatif 4. Je veux dire, ici, il peut être négatif 4, il se power 3 plus dot dot dot. Vous remarquez qu'on finit une réponse, il est à expand jusqu'à x cube. On allait, on expand jusqu'à x cube, et simplifying the coefficient. Coefficient, on simplifie le calculatrice, on a une réponse. OK? Ça, c'est notre réponse. Next, il est à state the set of values of x for which the equation is valid. Je veux dire, de tout expansion là, il y a un x ici qui se condition. Right là, comme on a expliqué, de la liste formule imprudente, c'est de condition. Right là, de condition qui peut être. De condition, soit que crédit comme ça, modulus of x equal to 1, ou sur équivalent, x in between, négatif 1 et 1. Il préfère peut-être une deuxième là, deuxième partie là, c'est plus facile ça. Right là, le modulus c'est un peu difficile plutôt. Analyser, right, x in between moins 5 et 20. Ça, c'est une condition, ça devient pas du tout la OK? Next, question 2. Question 2, si nous observons qu'il y en a pour expand, là, il y en a pour expand, n. Next, suivez bien comment vous expandez, vous expandez par les autres. N retire x power n le 3. Allez, observe bien. De deux expansions, vous êtes ici obligé dans n. Et dans n. Next, ça deuxième terme, ça est capable de changer. Peut-être que ce deuxième terme, qui est ou n, ou dans négatif x, ou quand il comme ça, plus moins x power n tiers. C'est-à-dire, de place x qui est là, de place x qui est négatif x. Et de place n qui est là, de place n qui est n tiers. Ça veut dire écrire là. C'est-à-dire, de place x qui est là, négatif x, et de place n qui est là, n tiers. Alors, dans la formule qu'on peut expandre, de place x ou remplace négatif x, de place n ou remplace n ou 3. Et toi, expand jusqu'à x square. Mais disons, vous prenez 10 à 3 pour mettre là. Alors, vous commencez n plus nx, n ou 3 fois x et négatif x, plus n et n tiers, fois n retire 1, n tiers retire n, l'eau des factoriels, fois négatif x square. Parce que bien, de place x, on peut remplacer négatif x, la formule là. Il y a n, retire n ou 3x. Ça peut aussi la nouvelle évaluation de calculatrice, vite. Right, là où on a n tiers fois n tiers retiré n. En bas, on a d factoriel, comme simplifié, on a négatif n sur 9. C'est-à-dire, il y a négatif n sur 9, x square, ah, là. J'ai besoin de connaître comment c'est une formule, là, pas besoin de rappeler une formule pour gagner l'examen. Right, c'est ça, pourtant, important. Il state the set of values of x for which this equation is valid. Écoute-moi bien. Dans la formule, il dit qu'il y a x, c'est sa deuxième terme là. Sous condition qui était ça, il n'y a pas besoin entre moins 5 et n. Mais dire sa deuxième terme là, il n'y a pas besoin entre moins 5 et n. Right là? Alors, c'est sa deuxième terme là entre moins 5 et n. Ici, le deuxième terme qui était, le deuxième terme est négatif x. Fais bien ton choix. Le formulaire rappelle bien ça, c'est un norme ça. Il y a des choses qui ont fait. Je dois lire bien entre moins 5 et n. Mais dire ici, sa deuxième terme là, condition qui est pour payer quelques conditions là. Condition là, dis-je toi, que sa deuxième terme là, il est pour bien pour négatif 1 et n. Ok, ça c'est ta condition. Mais c'est pas une directoire. Write down the set of values of x. Oui, deuxième terme là, besoin de commencer avec n. Mais il n'y a pas de matière de condition le deuxième terme, de matière de condition le x. Mais c'est là où vous allez solve ça inégalité. Vous connaissez comment solve une double inégalité, négatif n plus 3, ou avoir l'idée côté. X ou vin, négatif n divisé par négatif n. Ici, n divisé par négatif n. À cause ou b divisé par négatif number. Si vous renversez, la négative n divise par n vint n, ici vint x, ici n divise par moins n fait moins n. Ok, à ce sens, si vous liez, vous bien comment vous liez ça dans le number line. X, le plus grand qui moins n, c'est moins n, là. X, le plus grand qui moins n, mais x, le plus petit qui n. X, le plus petit qui n. Ok, inégalité là, l'équivalent avec sa inégalité là, ça veut dire x qui est entre moins n et n. Parce que d'habitude, le petit chiffre nous met à gauche, gros chiffre nous met à droite. Ok, ça c'est une condition de x. Ok, les mêmes affaires commencent à une inégalité là. C'est juste que ma dialine vient en bas là-haut, ou redresse ou petit chiffre ou mettre là, gros chiffre ou mettre là, fais bien attention avec vous. Inégalité 5, ça veut dire que ça c'est une condition. Next, on check question 3. Question 3, là, on check un coup qui peut arriver. Et observez ici, de place x qui est là, où il y a 2x, et de place n où il y a négative 3. Mais déjà, dans la formule, par tout côté dans x, on peut remplacer par 2x, et par tout côté dans n, on peut remplacer par négatif 3. Ok, bien bon. Next, on peut expander jusqu'à x square. Ok, bien bon. Allez, nous organiser. Right, allez, nous allons expander n plus
2x carré négatif 3. Je vais dire applique ma formule de Skype Square, mais il y a une étoile qui te besoin remplace x par dx avec n par négatif 3. Formule à copier du pareil, là il y a n par négatif 3 fois x, x égale 2x plus next il y a n, n négatif 3 fois n retire n over 2 factoriel fois x square, x ici 2x, ce square. Right, là, quand on expande, il y a n retire 6x. Là, si nous évaluons qui peut arriver, il y a négatif 3 fois négatif 4 là-haut, divisé par 2 factoriel, qui fait 3 négatif 6, right, il y a plus 6, fois ici dx square, qui fait 4x square. Là, si vous simplifiez, il y a n retire 6x plus, 6 fois 4 fait 24x, x square. Ok, allez, là, on va finir le travail. Il y a assez simple, il passe à difficile. Là, right, on finit expandre ce x square. Next, state the set of values of x for which this equation is valid. Pour que l'équation là valide, sa deuxième terme là, l'exemple commence avec n. Le deuxième terme qui était ici, le deuxième terme est dx, peut être condition. C'est le deuxième terme, dx, qui est besoin de commencer avec n. Mais question là, il y a de moins n condition pour x. Peut être là où solve, vous faites x vint tout seul, x pour n, négative 1, l'eau 2, ici pour n, l'eau 2, parce que dès là, vous avez dégoûté. Peut être ça, c'est condition, l'eau x pour qui expansion là est valide. Okay?